Lors de travaux dans des vieilles bâtisses, on découvre parfois d'étranges images peintes sur des closoirs, panneaux de bois coincés entre les poutres et le plafond. Des scènes de vie médiévale nous parviennent après des siècles de silence. Des villes et des villages du Languedoc-Roussillon sont particulièrement riches de ces images. Que nous racontent-elles ? Les plafonds peints, on en trouve dans tout l'arc méditerranéen, jusqu'à la Toscane, jusqu'à la Sicile. On va remonter vers le nord, jusqu'à l'Auvergne, jusqu'au Lyonnais, pour ce type de plafond et de décor. On trouve ces plafonds dans des bâtiments qui, de toute façon, appartiennent à l'élite. Où l'élite ecclésiastique et laïque nantie de pouvoirs seigneuriaux de domination, et ensuite dans des maisons de riches marchands qui partagent les mêmes goûts et les mêmes valeurs que l'aristocratie. On y trouve du bestiaire, on y trouve à l'intérieur de ce bestiaire des animaux réels et des animaux qu'on croyait réels mais qui étaient quand même fantastiques. Et on y trouve aussi l'hybride qui incarne au Moyen-Âge l'être humain pris entre corps et âme. Et puis on y trouve, et c'est peut-être ce qui rend ces plafonds les plus attachants, beaucoup de scènes de la vie quotidienne, ils sont narratifs. Ces peintures représentent toute la vie. Et c'est pour ça que c'est un corpus d'images absolument extraordinaire, parce que proche des valeurs et des intérêts quotidiens. L'attention, par exemple, au costume, qui est si précise qu'on peut dater à la décennie près les costumes qui sont représentés sur tel ou tel plafond. Alors, ça, c'est la partie la plus extérieure, mais par ailleurs, il y a toute la signification profonde qu'on a du mal à décrypter. Très souvent, on se trouve devant le plafond et on se dit « Mais quel sens ça ? Qu'est-ce que le commanditaire a voulu ? Qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que le peintre a voulu représenter ?» Il y a un moment dans l'histoire occidentale où les images sont rentrées dans les maisons, ont commencé à les habiter et à vivre avec les gens qui vivaient dedans. Et ce moment-là, c'est ça, il arrive au 14e, 15e siècle. C'est une espèce de mode qui dure un siècle, un peu plus, qui vise à représenter le quotidien. Et ça, c'est une source incroyable pour les historiens, puisque au lieu de représenter des figures religieuses ou alors des figures littéraires ou antiques, on va essayer de mettre en scène ce que l'on considère comme étant son quotidien. Et puis, ces images disparaissent. À la Renaissance, puisque là, il y a un décor qui est inspiré de l'Antiquité qui se met en place et qui évacue toute cette tradition qui visait à représenter son quotidien. Dans ce palais, les chercheurs s'interrogent sur la datation. Historiens, archéologues, chimistes et dendrologues vont tenter d'identifier les différentes périodes de réalisation de ce plafond et de son décor. On sait qu'une ou plusieurs campagnes de restauration ont eu lieu au XXe siècle. Alors là, pour le coup, on a une datation précise, puisque on voit qu'à la fin de la restauration, le restaurateur a dessiné un petit graffiti avec une dédicace
à Francette pour la vie, mai 1951, avec un cœur et une flèche. Il y a des petites retouches qui ont été faites ici, dessus, ouais. Qui sont en jaune, et qui viennent combler les éclats qu'il y avait dans la peinture. Donc là, c'est un premier type de restauration, mais qui est assez fine ici, que du sol, on ne voit pas du tout. Et au-dessus, on a là, pour coup, une invention totale des années 50, qui est en fait une copie, plus ou moins, de ce qui est en dessous, mais une copie très grossière. C'est pas le même tracé. Pas du tout le même tracé. Et du coup, la question est de savoir, est-ce que la personne qui a fait la copie au-dessus est la personne qui a fait les restaurations en bas? Ça, c'est le même jaune que celui qui est au-dessus. Oui, la couleur est un peu pareille. Là, en haut, on voit que la tonalité est un peu plus foncée, un peu plus saturée. Mais je pense que c'est parce qu'il a travaillé ses couleurs, en fait. Il a essayé de faire des effets d'ombre. Il a mis plus de blanc. Donc, mais ça a l'air d'être là, enfin, vu d'ici. Ça a l'air d'être la même chose. Bon, en haut, là, c'est un bon endroit. Parce que bon, ça ne gêne pas la lecture. Il y a déjà un trou, donc... Ouais. Par ici aussi, ça peut être bien. Et là, du coup, tu vas prendre un endroit où il y a du noir et le jaune ou... Oui, je pense que je peux essayer de prendre un peu les deux. Ok, super. De toute façon, je peux prendre à plusieurs endroits et après, sous le microscope, je sélectionnerai le fragment. Le tout, c'est de ne pas les perdre. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on est ici dans la résidence d'un archevêque, mais on ne trouve aucune représentation religieuse. Mais par contre, de très nombreuses scènes guerrières. Là, on est face à un ensemble qui est assez exceptionnel parce que on a deux closoirs qui représentent deux villes. Et sur le corbeau, la scène se prolonge, ce qui est très rare, avec une machine de guerre et des fantassins qui sont en train d'assiéger visiblement cette ville dont un homme chute. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ici, c'est une forme de guerre qui est non noble, qui est représentée, et pas des affrontements entre chevaliers dans des tournois comme on trouve souvent sur les plafonds. Et donc, le message porté par ce plafond est vraisemblablement plus politique que religieux. Et puis, confirmer les choses à plusieurs reprises dans plusieurs espaces entre vous. Ouais. Supposons, on construit la charpente avec des clousoirs. Ben t'es méchant, pas décoré. Oui. Et puis plus tard, on se dit, ah, ce plafond, on veut le mettre en scène, on veut le mettre en décor. Et on les enlèverait. Est-ce qu'on les change à ce moment-là, quoi? On ne peut pas les enlever. Non. Ils sont pincés entre les poutres, dans voilà. Les encoches, ouais. Donc on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les enlever, même par en haut, quoi. Ou alors, il faut tout lever le sol, les planches. Le plancher, enfin, voilà. Toutes les planches, tous donc les merins. Ça paraît très compliqué. Il est plus simple de monter un échafaudage et de les peindre depuis l'échafaudage. D'accord. Ouais. Donc, pour le moment, votre hypothèse, c'est que dans l'état actuel de l'observation, les closoirs auraient plutôt été peints in situ. Oui, sur quelques-uns. Donc ça, c'est très angoissant, parce que même, ça veut dire oui, que même si on trouve la date par la dendro des poutres, ça ne date pas le décor. Non. Zut. Non, ça ne date pas le décor. Voilà. La dendrochronologie ne permet pas de dater précisément la confection du plafond. La dendrochronologie se contente de dater l'année d'abattage des arbres dans lesquels les pièces ont été débitées. Pour dater par la dendrochronologie, il faut faire des prélèvements. Prélèvements sous forme de carottage, afin de recueillir toute la série de cernes qui a été élaborée par l'arbre au cours de sa vie. Cette série de cernes présente des épaisseurs variables d'une année à l'autre, en fonction des conditions climatiques locales. Les bonnes années, le cerne est large, les mauvaises années, le cerne est très mince, et cela constitue des séquences irreproductibles dans le temps. Tous les arbres d'une même espèce qui sont soumis aux mêmes conditions climatiques réagissent sensiblement de la même façon et vont présenter de véritables repères chronologiques pour les mêmes années climatiques.
On acquiert donc des séries temporelles, des séries chronologiques que l'on va corréler mathématiquement pour essayer donc d'identifier des séquences de cernes caractéristiques. On a donc une concordance mathématique qui est attestée par une concordance visuelle. Quand on compare les courbes d'accroissement de la référence en bleu avec le plafond narbonné en rouge, concordance visuelle qui est attestée par le fait que on retrouve les mêmes années affectées par des cernes très minces, aussi bien sur la référence que sur le plafond peint de Narbonne. Donc la synchronisation nous permet de dater à l'année près l'année de formation de chaque cerne et de déterminer que la chronologie narbonnaise finit en 1209. Compte tenu qu'on a sans doute perdu quelques cernes liées à l'équarrissage, on peut envisager une phase d'abattage dans le premier quart du XIIIe siècle. On connaît maintenant la date de l'abattage, et sachant que les charpentiers préfèrent travailler des bois verts, plus faciles à utiliser, on peut supposer que la charpente date de la même époque. Mais qu'en est-il de l'analyse des peintures ? Par le biais des analyses, on va rentrer dans la matière. Donc on va avoir une observation en fait sur comment se succèdent les couches et avoir une information sur la qualité de la couche. Si elle est épaisse, si elle est fine, si le peintre a rajouté un diluant, s'il l'a utilisé tel quel. À Narbonne, en fait, on a des couches picturales qui sont épaisses. On a des pigments qui sont grossièrement broyés. Là, par exemple, ici, on a un grain qui provient d'un minéral naturel qui est très, très gros, en fait. Normalement, les grains, ils sont inférieurs à 10 microns, donc c'est très grossier. Là, on a la stratigraphie de l'échantillon qui a été pris sur un des closoirs original de Narbonne. Donc sur la couleur en fait claire du corps du fauve, on a donc en surface ici on a un vernis, puis la couche blanche du corps, le pigment c'est du blanc de plomb, et en dessous le fond en fait qui est composé de deux couches superposées, donc une couche orange et une couche rouge qui a une texture un peu transparente. Ça, c'est un pigment lac. Donc, il a une couleur rouge, mais on va voir le fond orange en transparent. Donc, on va avoir un jeu de nuances des couleurs, en fait, par cette superposition et des effets aussi, parce que le pigment lac a une certaine brillance. C'est un pigment qui est importé d'Asie. Ça veut dire qu'on a des routes commerciales aussi qui viennent d'Asie. Donc c'est tout de même un pigment qui a été très utilisé, mais bon, il ne se trouve pas sur toutes les peintures murales. Pour ce plafond de Narbonne, on n'a pas arrêté d'avoir des résultats complètement surprenants. Peut-être que sur chaque plafond qu'on étudierait à fond comme ça, on aurait aussi ce type de surprise. La première surprise, ça a été d'abord les repeints, que personne n'avait vus jusque-là, des années 1940 à 50. Ensuite, deuxième surprise, la dendrochronologie, date d'abattage des poutres complètement inattendue dans les toutes premières années du XIIIe siècle. Si le plafond date de cette époque-là, c'est probablement le plus ancien de la France méridionale. Ce qui était complètement inattendu, jusque-là, il était daté du XIVe siècle. Ensuite, autre surprise, les pigments. Tout indique que les pigments sont assez communs, sauf que tout d'un coup, au milieu de la couche, il y a un pigment extrêmement coûteux. Et enfin, donc, pas mal de discussions, même si on est monté nombreuses fois sur un échafaudage pour aller voir de près, sur la structure de la charpente. Donc, on a des résultats et ils sont si surprenants qu'on a encore envie de confirmation pour être bien sûr de nous. Si dans le palais de Narbonne, la datation est toujours à l'étude, dans tous ces sites, la question du sens à donner à ces peintures reste ouverte. Là, on ne se rend pas
tellement bien contenu, mais on voit quand même. La poutre centrale, elle a les armoiries des Harcourt et de l'église de Narbonne, et c'est la poutre centrale. Seuls quelques Capestanais connaissaient l'existence de ce château qui a sombré dans l'oubli à la fin du XVe siècle et a bien failli disparaître. À l'intérieur de la salle d'apparat. Classée dans les années 70, sa salle d'apparat est aujourd'hui ouverte au public. Quand on entre dans cette salle, la première chose qu'on voit, c'est les armes des propriétaires. Depuis quelques années, on découvre des centaines, voire des milliers d'images complètement inédites qui bouleversent complètement notre compréhension. Donc c'est un sentiment jouissif de découvrir toute une série de choses dont je pensais que c'était réservé aux archéologues du 19e siècle et que notre génération connaîtrait jamais ça. Parmi les décors les plus remarqués à Capestan, il y a cette poutre qui figure les danseurs, admirablement composée, avec au centre les deux clochoirs qui représentent les musiciens et de part et d'autre des couples. Alors, on l'a d'abord interprété comme représentant un bal. C'est pas ça, parce que c'est un seul et même couple qui évolue comme dans une bande dessinée. Donc c'est vraiment l'histoire d'un couple, la représentation d'un couple. Et ce couple, il est vu, il est en fait juste au-dessus de la cloison qui fermait la salle d'apparat, et c'est ce que voyait l'archevêque quand il était assis devant la cheminée. Il avait donc cette vision du risque de la vie courtoise, des dangers qu'il faisait courir au couple. Et en même temps, toute une partie du décor de Capestan, c'est une mise en gloire du couple, hein, de ce qu'il représente comme stabilité, comme manière de créer son salut et de vivre dignement. Comme d'autres plafonds, ce plafond de Capestan comporte un bestiaire important, enfin beaucoup d'animaux qui sont représentés, et beaucoup d'oiseaux, comme d'ailleurs à Narbonne. Et l'une des questions qui se pose, c'est de savoir si les oiseaux sont là parce qu'il y a les temps tout proches et qu'il y a donc un répertoire d'espèces d'oiseaux extrêmement présent aux yeux des personnes, donc dans une perspective en quelque sorte naturaliste, ou si au contraire l'oiseau est là parce qu'il est conçu au Moyen-Âge comme représentatif du clergé entre la population et Dieu. Et donc, comment faut-il lire ces oiseaux? Est-ce qu'ils sont là à cause de l'étang ou à cause du clergé, ou les deux? Il faut penser que c'était des chantiers où il n'y avait pas un peintre, mais c'était toujours des équipes de gens. Et donc, à mesure que les pigments étaient broyés, préparés, tout ça et tout, la peinture était faite dans le même mouvement. Je pense que c'était des choses qui étaient assez rapides, quand même. Ces peintres, c'était des gens qui faisaient du décor, et ils décoraient tout. Ils décoraient les meubles, ils décoraient les tentures, ils décoraient les boucliers, ils décoraient les armures, ils décoraient... C'était pas du tout des artistes peintres, si on peut dire. C'était vraiment des gens... des peintres décorateurs qui intervenaient sur beaucoup de matières, qui étaient capables de faire de la dorure, qui étaient capables... Et probablement certains étaient aussi enlumineurs. Il y a des parentés très très grandes entre des motifs qu'on retrouve sur les plafonds, qu'on retrouve sur les murs. Ils étaient aussi très probablement plus ou moins fresquistes, parce qu'on retrouve des décors du même type faits avec des techniques différentes. Mais ça, c'est clair que ce n'étaient pas du tout des artistes, c'était vraiment des artisans, disons. Si le travail de restaurateur permet de retrouver les techniques et les gestes des artisans de cette époque, identifier les préparations des fonds, des pigments et la fabrication des peintures, il s'exprime aussi dans la restauration des décors d'origine. Pour effectuer le dégagement du badigeon de chaux, j'utilise une mixité de techniques, le clivage au scalpel avec des lames usées,
un gel de colle à papier avec une addition de bicarbonate d'ammonium, qui est une molécule qui permet justement de déstructurer le badigeon de chaux. Et également un petit nettoyage à l'eau déminéralisée qui permet de retirer du badigeon de chaux qui s'enlève très facilement. En fait, on adapte le dégagement en fonction de la difficulté de la couche à retirer. Ici, c'est le petit miracle de Saint-Hilaire. C'est ce qu'on a trouvé là, c'est assez exceptionnel. Ah non, mais ça va être beau, hein. Si c'est comme ça, ça se sert bien. Mais on fait très bien de rester sur de la conservation archéologique, de toute façon, sur des plafonds peints, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Je vois pas l'intérêt d'en rajouter une couche, comme on dit, hein, très clairement. Je trouve que faire des mesures conservatoires, c'est déjà si très bien. Si on ressort ça, c'est magnifique. C'est suffisant. La chance que nous avons, c'est qu'il n'a pas été repeint au 19e. Donc il nous apprend, il nous montre l'état dans lequel il était avant qu'on l'enferme. Donc ce n'est pas la première fraîcheur. Mais par contre, il n'a pas été touché. Donc, c'est un plafond médiéval fatigué, mais entre guillemets intact, c'est-à-dire que personne n'est allé mettre la main dessus depuis. Et donc, ici, on avait formé un couloir de service pour ne pas déranger ces messieurs, enfin, monsieur l'abbé, qui était par là. Venez voir que je vous montre les sondages qu'on a effectués. Mmh. On a trouvé des têtes d'engoulant à un endroit plutôt étrange. Eh ben, c'est tout à fait ce que je vois. Et c'est assez ahurissant parce que je ne comprends pas ce qu'ils font là, parce que ce n'était pas prévu du tout pour en trouver là. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un plafond qui a été encore plus tripoté que je ne le pensais. Et on retrouve également les têtes d'engoulant sur la 4e, 5e solive. Ouais. On a effectivement cette rupture par rapport aux têtes d'engoulant qui ont été faites au 19e, demandant effectivement qu'est-ce qu'elles font là. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'abbé en place a cloisonné des pièces, parce qu'au 18e, on préférait des pièces plus basses, plus modernes. Et sans doute, ce qui a dû se passer ici, c'est qu'on a dû masquer le plafond du Moyen-Âge. Au 19e, quand on a gratté le plafond, on a découvert ce décor. Et donc, le curé a décidé de décorer la salle dans, j'allais dire, un style médiéval. C'est pour ça qu'on a des murs un peu particuliers, avec la restauration de son plafond, qui est quand même assez lourde, même si elle est assez chatoyante. Ces peintures, elles nous apprennent qu'elles ont été faites sans doute sous le règne de Charles VIII ou Louis XII. On y voit un peu les goûts de l'époque, ce qu'étaient les canons de la beauté. Apparemment, il y a beaucoup de personnes jeunes ici. Il n'y a pas trop de momeries. Alors, les momeries, ce sont des petites plaisanteries de plus ou moins bon goût, mais à cette époque-là, c'était même pas ni du mauvais ni du bon goût, c'était simplement une chose évidente, parce que quand on lit Rabelais, à la limite, on voit les clochoirs. Donc je pense qu'ils étaient des gens qui aimaient bien vivre, ils sortaient de la guerre de 100 ans, et ils n'étaient pas encore en guerre de religion, donc ils étaient dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. Elles sont belles ces planchettes là. C'est... Les historiens ont mis du temps à s'intéresser au plafond parce que les historiens d'art s'intéressent aux chefs-d'œuvre. Et le propre de ces plafonds, c'est que même quand on les regarde de près et qu'on voit le talent du maître qui a peint, et c'est évidemment pas quelque chose d'aussi subtil, c'est précisément parce que ça nous renvoie avec talent au quotidien et pas au chef-d'œuvre artistique. Donc ça a été considéré comme un art mineur et sans intérêt. Et puis c'est l'influence de l'anthropologie dans les années 90-2000 où on s'est intéressé aux images populaires, aux enseignes, aux images de publicitaires, aux images qu'on fait avec nos téléphones portables. De la même façon, on s'intéresse pour le Moyen-Âge aux images qui ne rentrent pas dans une grande histoire de l'art, aux images qui sont plus ordinaires, les images avec lesquelles on vit, et qui ne sont pas forcément des grandes œuvres d'art, mais qui témoignent de la sensibilité et des émotions propres au Moyen-Âge. Sur la Grasse, il y a eu de grandes foires. Hein.
Et l'ensemble des maisons qui étaient à colombage, qui entouraient la halle, appartenaient à des grands marchands, des commerçants, des grands agriculteurs, éleveurs, etc. Donc on peut en tout cas supposer que ces personnes-là faisaient valoir dans le lieu d'accueil de leurs hôtes leurs valeurs, certainement, les personnes auxquelles ils sont attachés, que ce soit pour la couronne royale, que ce soit pour les grands nobles de la région, voire les abbés de l'abbaye de la Grâce, bien évidemment. Et au-delà de ces éléments significatifs, bon, il reste des décors qui nous paraissent peut-être pas incongrus, mais on ne connaît pas la motivation. Qu'est-ce qui a amené à avoir des hybrides, des monstres, certaines devises? Pourquoi là? Et quelle était l'intention du propriétaire? On ne le sait pas réellement. Alors ici, je peux vous montrer les scènes les plus coquines que nous ayons dans l'étage, dans cette pièce qui était censément une chambre d'un des curés de la Grâce. C'est des scènes où sont représentées 13 fois des prostituées en activité, si je puis dire, soit en train de se raser le pubis, soit en train de recevoir l'écho de sa prestation. Ensuite, en face, nous avons une scène du monde à l'envers sur deux closoirs. Une scène aussi intéressante, c'est un moine qui, avec un petit baquet, remet de l'eau chaude dans l'étuve où se trouvent un moine et une dame. Et un jeu, ici, où deux hommes ont les pieds et les bras à coller. Comment comprendre la présence de ces images? Il y a une des pistes possibles, c'est de se dire, au Moyen-Âge, on est attaché à représenter ce qu'il faut faire, donc le modèle du bon comportement, mais on est aussi très attaché à mettre en scène le contre-modèle ou le mauvais modèle. De même qu'il y a la présence du diable est très forte, la présence du mal, eh bien on représente des images pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est sans doute une des raisons de la plupart de ces images. Mais il y a aussi une raison qui est beaucoup plus triviale, c'est que c'est des images qui font rire. Et dans la culture médiévale, le rire a une importance extrême. Et donc c'est aussi une façon agréable de recevoir ses invités avec des images qui font rire, qui font une ambiance agréable où on se sent bien dans cette pièce, qui crée un climat convivial. Mais il y a d'autres images qui ne sont pas là pour signifier quelque chose, mais pour avoir un effet. C'est des images qui ont un rôle magique, comme par exemple ces trois lettres, IHS, qui représentent ce qu'on appelle le monogramme du Christ. Et ces trois lettres ont la réputation de protéger les personnes ou les lieux qui les portent. Donc on peut soit le mettre sous le plafond de sa maison, comme c'est le cas à Capestan et dans plein de plafonds peints, mais on peut aussi les porter en pendentif pour se protéger quand on prend la route, au même titre qu'on mettrait un Saint-Christophe sur une sonnette de vélo ou sous un rétroviseur de voiture. Dans ce village de la Grâce, on découvre régulièrement des plafonds peints qui couvrent une période de plusieurs siècles. Cette maison présente un décor différent du presbytère, pourtant daté sensiblement de la même époque. Nous sommes donc dans la maison Cibra, qui est le nom du dernier propriétaire avant que la commune, en 1998, achète ce lieu, à la fois pour le conserver et le valoriser. Alors, à la différence du presbytère, ici, on se trouve dans une demeure civile, appartenant à un commerçant riche, vraisemblablement. Ce plafond, en tout cas, lui, semble être daté, ne serait-ce que par l'héraldique et par la dendrochronologie, du tout début du XVIe siècle.
les armoiries, notamment de l'abbé de l'époque, qui était Philippe Ier de Lévis, figurent au plafond, en même temps que son réseau aussi social, qui était le roi de France, un dauphin, tout un tas de nobles représentés dans les clozoirs de ce plafond, qui est un plafond à caissons. Et la particularité aussi, c'est que nous avons 7 à 8 marques de marchands différents. On peut se poser la question si c'était un lieu de réunion d'une corporation, avec chacun leur propre signature. La différence importante entre le corpus des plafonds du presbytère notamment montre qu'ici il y a une très grande évolution et peut-être un atelier plus évolué qui a travaillé dans l'esprit d'un vrai portrait de la Renaissance. C'est déjà presque des petits tableaux en tant que tels, les portraits qui sont représentés. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas par les quelques rares études qu'il y a eu sur le Languedoc, en général, le Moyen-Âge est vu comme un Moyen-Âge des châteaux forts, des abbayes, et avec un caractère très rustique, si je puis dire. Dès qu'on découvre ce genre de plafond, évidemment, on est dans un autre monde qui ne rappelle pas l'Italie tout à fait, mais enfin qui a déjà le goût d'un autre sens artistique qui va se développer tout le XVIe et XVIIe siècle. C'est une représentation de soi, c'est l'image qu'on veut donner de soi, de son entourage, aux gens qui vont pénétrer dans cet univers domestique, et c'est aussi l'image qu'on a envie de côtoyer quotidiennement. Donc il faut l'interpréter comme un sas de passage entre le goût privé et la présentation publique, sachant que c'est très difficile à distinguer à la période médiévale. Et l'ensemble de ces images, c'est très largement ce que l'on retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où de la même façon, on met en scène nos amis, les valeurs auxquelles on croit, les choses qui nous font rire. Et donc, on a aujourd'hui cette conception, disons, d'une identité qui est collective, où on existe par l'ensemble de son réseau social, et qui, dans un sens, se rapproche de la conception qu'on avait au Moyen-Âge des réseaux sociaux et de l'identité qu'on avait. Il arrive que les particuliers soient tentés de vendre des clozoirs, preuve que l'on commence à s'y intéresser. Lors d'une vente aux enchères, 20 très beaux clozoirs du début du XVIe siècle ont été préemptés et achetés par la commune de La Grasse pour être restaurés et, de fait, protégés. Là, on a un clozoir. On a la moitié du clozoir qui a fait l'objet d'un premier décrassage. Donc là, c'est vraiment avant intervention. Et là, c'est après un premier décrassage. Donc une fois que toute la surface a été décrassée, et on arrive à un résultat comme celui-ci. À ce stade-là, sur certains clozoirs, on a une couche de vernis, comme sur celui-là. Voilà. Et là, avec un mélange de solvant, on solubilise la résine pour retirer le vernis qui est jauni et oxydé. Donc, le stade final, on va dire, de la conservation de la couche picturale, ça sera quasiment celui-là. C'est-à-dire que là, donc, le clozoir a été décrassé, il a été déverni et la couche picturale a été consolidée. C'est-à-dire que ces images qui étaient abandonnées et qui étaient détruites parfois parce qu'elles étaient abandonnées ou jusqu'à récemment, on va utiliser ces planches, ces poutres pour faire un abri de barbecue. Aujourd'hui, en les étudiant, en les mettant en scène, on leur donne une nouvelle valeur, mais on leur donne aussi donc une valeur marchande qui fait que ces images désormais peuvent être vendues, peuvent être volées. Donc ça fait courir de nouveaux risques à ces images. Mais cependant, on pense que le risque que l'on court en faisant ce travail-là est moindre que celui de la destruction pure et dure. Cette belle histoire est partie de Capestan, où un groupe d'amis passionnés d'art et d'histoire crée la RCPPM, une association spécialisée dans l'étude des plafonds peints médiévaux. Elle participe à faire prendre conscience non seulement de la valeur patrimoniale de ces œuvres, mais aussi de leur fragilité.
L'association est née d'une situation locale à Capestan. On a redécouvert ce plafond peint et on s'est dit, il y a chef-d'œuvre, il faut qu'on le montre. Mais avant de le montrer, il faut qu'on le comprenne. On s'est dit, on va réunir un colloque. Ce qu'on a fait, ça a été un succès qui a dépassé ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'il y a eu en permanence plus d'une centaine de personnes et qu'au terme du troisième jour, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Et cette association, elle a eu de la chance d'avoir une accroche scientifique et d'avoir le soutien des institutions, et notamment de la DRAC et des monuments historiques. Cette association a su fédérer et nous avons pu recueillir beaucoup d'informations grâce à eux. Et il est vrai que là, je crois qu'il est important que l'État puisse accompagner ce type d'initiative. Et je crois que vraiment, nous pourrons dire, et nous pouvons dire, et je l'affirme à chaque fois avec force et conviction, que ce travail-là est irremplaçable et que c'est en fonctionnant de cette manière que nous parvenons à avancer sur la connaissance du patrimoine de la région et puis que nous pouvons avancer également sur la conservation de notre patrimoine. Voilà, là on y va au mieux. Donc effectivement, c'est ce que je vous parlais là. C'est une bâtisse qui était vouée à la destruction. Et lors de la visite, première visite de chantier, je me suis aperçu qu'il y avait un plafond peint sur cette bâtisse. Donc on se rapprochait directement avec la DRAC et les services du département. On a pris la décision de mettre cette bâtisse hors d'eau et d'engager un processus d'étude sur ces plafonds. Si on arrive à sensibiliser les gens à la valeur de leur patrimoine qui est en question là, je pense que les gens sont ouverts à ça. Moi, je m'aperçois que de plus en plus, les gens ils sont attachés à leurs pierres, à leurs racines. Alors, est-ce que c'est un phénomène de société? Je le pense. Mais c'est de plus en plus prégnant au niveau de nos collectivités, de nos villages de petite taille. Et à partir de là, après, on peut arriver à faire passer des projets d'investissement, etc. Parce qu'on travaille en amont et qu'on travaille sur leur mémoire à eux, sur le fait de leur dire... C'est vos racines, ça vous appartient.